notre environnement et les métiers évoluent régulièrement. Donc il est important que chaque agent puisse changer de métier s'il le souhaite. Donc la fonction de conseillère en parcours professionnel existe depuis 2015. Elle a été créée à la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2. Aujourd'hui, nous sommes deux conseillères en parcours professionnel, psychologues du travail, et nous exerçons nos missions au sein du service recrutement, formation et accompagnement de la direction des ressources humaines située sur le campus Triolet. Notre mission principale en tant que conseillère en parcours professionnel est d'accompagner chaque agent qui le souhaite dans l'élaboration de leur projet professionnel. Donc ça, il peut s'agir d'une reconversion, d'une réorientation professionnelle, mais également d'une mobilité interne ou externe à l'université ou plus simplement d'un projet de formation. Chaque agent qui le souhaite nous contacte par mail ou par téléphone. Donc en fonction de la demande, l'accompagnement sera différent. Donc on va retrouver deux cas. L'agent qui souhaite des informations sur une situation ou un point précis. Donc dans ces cas-là, la conseillère va l'informer et ou le réorienter vers les services compétents. Et on a également le cas des agents qui souhaitent un travail approfondi sur leurs compétences et leur parcours professionnel. Dans ces cas-là, on va leur proposer un bilan professionnel. Un bilan professionnel, c'est l'analyse des compétences, des aptitudes, des motivations et des aspirations de la personne pour en établir un projet professionnel réaliste. Nous avons accompagné par exemple un agent administratif qui souhaitait, suite à un bilan professionnel, se réorienter vers le métier d'ambulancier pour lequel aujourd'hui il se forme. Nous avons également accompagné une enseignante en langue qui, suite également à un bilan professionnel, s'est réorientée vers une nouvelle discipline, le français, qu'elle enseigne dans un établissement du second degré. Donc quand cela est nécessaire, nous les conseillères et plus généralement la DRH collaborons avec les différents services d'accompagnement de l'université. Donc ça peut être la médecine préventive, mais aussi les différents interlocuteurs de la direction de la vie des campus, tels que les assistants sociaux, la coach professionnelle et le psychologue du travail. Chaque année, on accompagne à peu près une cinquantaine de personnes. La durée de l'accompagnement et le nombre d'entretiens varient en fonction de la maturation du projet professionnel de l'agent. Il sera par exemple beaucoup plus court sur une simple mobilité que sur une reconversion professionnelle. Chaque année, nous réalisons entre 100 et 150 entretiens. Il faut d'abord savoir écouter et communiquer. Il faut également avoir un bon relationnel avec l'agent que l'on accompagne. Il faut aussi de la discrétion. Tous nos échanges restent confidentiels, sauf bien sûr s'il souhaite que cela remonte à notre hiérarchie. Donc pour être un bon conseiller en parcours professionnel, il est important pour qu'un projet aboutisse administrativement de bien connaître le fonctionnement des universités, les statuts de la fonction publique.